This meeting is being recorded. Alors, donc nous sommes là pour présenter les 5 défis du thème inégalité. Donc le premier défi, c'est manger sain, durable et pas cher, c'est possible. Donc le CCAS de Grenoble va nous présenter la plateforme Solidarité Grenoble, donc qui a été créée par la ville de Grenoble et des acteurs associatifs du territoire. Ensuite, on va parler du deuxième défi, donc solidarité avec les pays les plus impactés. Là, on va voir les liens que la ville de Grenoble a tissés avec différentes associations de solidarité internationale. Ensuite, sur le défi 3, transition écologique, nouveaux métiers pour tous, la métropole va nous présenter le Forum des métiers de la transition écologique qui va se dérouler très prochainement, le 23 et 24 juin, pour sa première édition. Le défi 6.4, donc ces quartiers populaires engagés, des initiatives locales en synergie. Nous allons avoir une présentation du FAS, donc il y a un fonds à destination des associations qui accompagnent les publics les plus précaires donc sur ces questions de transition. Et ensuite, parce qu'on oppose souvent fin du monde et fin du mois, on va voir comment on peut essayer d'allier c'est l'environnement et le social avec l'exemple des ateliers de remise en selle. Et le dernier défi, stop à la précarité énergétique. Donc là, on aura une diversité d'interventions puisqu'on en aura 4 sur ce défi. La ville de Grenoble nous présentera donc le SLIM de Grenoble. Donc c'est le service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie. On aura ensuite une présentation d'Un toit pour tous et d'Actis. Qui vont nous expliquer comment ils arrivent à diminuer les dépenses énergétiques de leurs locataires. Et ensuite, une dernière intervention par HOP, puisqu'on a la chance d'avoir sur le territoire une chaire qui réalise des évaluations sur le sujet de la précarité énergétique et qui fait référence à l'échelle nationale. Donc, je vais donner la parole à Malik Alam, qui est directeur du développement social à la métropole. Oui, Hélène, dis-moi. Juste pour le fonctionnement, l'idée, c'est que vous allez pouvoir poser vos questions via le chat si elles vous viennent au fil de la présentation. Donc, n'hésitez pas que ce soit des questions de clarification, je n'ai pas bien compris tel ou tel point, ou des questions plus qui suscitent discussion. Donc, vous pouvez bien utiliser le chat pour le faire. Et sinon, à la fin de chacun de présentation, on prendra un temps de questions-réponses. Donc, soit je relève les questions que vous avez posées dans le chat, soit vous pourrez les poser à l'oral. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est que moi, mais on n'entend pas du tout Hélène Clos. Je l'entends bien. Si je vais mettre un micro en plus, Hélène, ouais, moi aussi je t'entends de très loin. Et donc, je donne la parole à Malik Alam sur le FAST. Donc, pour illustrer, on va commencer. Donc, on ne fait pas les choses dans l'ordre. On va commencer par le défi 6.4, quartier populaire engagé, des initiatives locales en synergie. Voilà, je m'excuse par avance, mais en fait, je dois vous quitter à 13h30 au plus tard, parce que justement, on a une réunion de programmation de ce fonds d'accompagnement social en transition et qu'on est dans des délais très contraints. Donc, puisque j'ai que 5 minutes, comme tout le monde, c'est un fonds qui vient d'être adopté par le Conseil métropolitain donc, le 25 mars. L'idée, pour faire simple, c'est effectivement porter une attention aux nouveaux enjeux sociaux liés aux transitions en lien avec les populations les plus précaires, les plus pauvres, donc qui sont situés principalement dans les quartiers qu'on appelle politiques de la ville, mais aussi dans d'autres quartiers d'habitation et quartiers populaires, qui vont aussi avoir à se poser des questions, des enjeux de transformation de mode de vie, mais aussi d'impact sur leur consommation, sur l'accès aux énergies, à l'alimentation, aux déplacements, etc. Et donc, c'est de porter attention à ces enjeux-là qui vont se poser. Structurer donc, et renforcer l'accompagnement social aux transitions, parce que ces populations-là vont avoir besoin d'accompagnement lié à cela, notamment pour tout ce qui est des aides
qui sont déjà définies dans ces questions de transition, mais dont on sait, du fait du non-recours et puis du fait aussi parfois de la difficulté du reste à charge ou de la difficulté de remplir des dossiers, d'accéder aux aides. Donc, il faut les accompagner dans cet accès-là, et il faut les accompagner aussi dans l'explication de ce qui est à faire ou à ne pas faire, et puis des dispositifs qui sont mis en place. Renforcer l'action de la métropole en direction donc des publics. C'est embêtant, ce truc de chat qui apparaît au milieu. Renforcer l'action de la métropole en direction donc des publics et des territoires les plus fragiles, c'est l'objectif global de ce fonds d'accompagnement social aux transitions. Je crois qu'il y a une deuxième diapo. Donc, le principe de ce fonds, il est le suivant. Il ne s'adresse pas à des personnes individuelles. Donc, ce n'est pas des aides aux personnes pour acquérir un véhicule électrique ou pour transformer son système de chauffage. C'est des aides qui vont être, et du soutien qui vont être en direction d'associations ou de CCAS ou de bailleurs sociaux qui vont bien vouloir mettre en place des actions donc de sensibilisation, d'information, de transformation et d'action sur ce sujet-là des transitions en direction des populations les plus précaires. Ça va fonctionner par appel à projet. Il y en a un donc, qui a été lancé là, très rapidement pour une première délibération en juillet. Mais ensuite, donc, il y a un appel à projet permanent qui porte sur quatre axes. Donc, un axe résilience sociale de proximité, un axe accès aux droits, dont je vous ai parlé pour les accompagner sur les aides qui sont mises en place, un axe sur les nouveaux usages des espaces publics, notamment naturels, parcs, mais aussi tout autour de la métro aujourd'hui. Il y a une bien plus forte pression qu'avant sur des lacs, sur des espaces de repos, enfin, ombragés, etc. Un axe sur les... pardon. Il m'en manque un. Tac. Non, mais c'est public. Pardon. Et les publics donc, auxquels ça s'adresse, donc c'est bien les publics les plus précaires, ceux qui habitent en quartier, politique de la ville, mais aussi ceux qui sont sur des territoires en fragilité. C'est aussi toute personne donc, qui vit sous le seuil de pauvreté, les familles monoparentales, les personnes porteuses de handicap ou les personnes qui vivent en habitat indigne. Donc voilà les publics en fait et les territoires qui sont ciblés par ce fonds d'accompagnement social aux transitions. Voilà de manière très courte et synthétique, en 5 minutes, ce qu'on peut dire. Merci Malik pour cette présentation. Je vous invite à poser soit vos questions sur le chat, soit directement levant la main. Peut-être que là, on va prendre les questions directement parce que si vous devez partir, je ne voudrais pas qu'on rate les questions. Alors peut-être en attendant, ce fonds, il a une partie donc, dite de fonctionnement, donc c'est des aides... des subventions, on va dire, classiques, hein, type de ce qu'on fait à des associations, des CCAS ou des bailleurs. Et il y a une partie aussi en investissement sur des projets donc d'aménagement ou d'achat de matériel pour pallier à ces questions de transition. On a une première question avec Nathalie Moyon de la ville de Grenoble. Oui. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'un... une sorte d'appel à projet un peu permanent. Et du coup, en plus de ça, il y aura aussi des vagues d'appel à projet plus, où vous ciblerez des thématiques plus en particulier, c'est ça? Oui, celle qui vient d'être lancée, en fait. Oui, en fait, il y a dans ce qu'on appelle l'appel à projet permanent, là, qui va porter sur les quatre axes. Et ensuite, on a effectivement des manifestations d'intérêt qui vont être mises en place aussi.
Donc là, la délibération vient de passer, donc on n'a pas encore le premier appel à projet, le premier AMI, mais on le définira donc au mois de septembre. Un des premiers thèmes qui semble ressurgir comme ça, mais ça demande à être calé et discuté avec le comité de pilotage du FAS. Donc il va réunir un ensemble d'élus, à la fois politiques de la ville et élus sociaux de l'ensemble des communes. Porterait certainement sur la question des mobilités, parce que je pense que c'est un des premiers sujets qui se posent là assez vite, du fait de la mise en place de la ZFE, puis du fait de l'impact sur les déplacements pour les uns et pour les autres. Mais effectivement, dans les AMI, on aura un genre de cahier des charges relativement précis sur les actions qu'on peut attendre, enfin, qu'on aimerait voir se mettre en place. Parce qu'effectivement, un des enjeux là, par rapport à ce FAST, c'est que le monde associatif ou le monde des CCAS, par rapport à cette question de fin du monde, fin du mois, comme c'était dit tout à l'heure, beaucoup d'acteurs en fait, qui agissent dans le champ social, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de défis, hein, enfin, c'est même probablement pour ça, ils font pas encore tellement le lien entre transition et pauvreté. En gros, la transition, elle ne s'intéresse pas. Ils pensent qu'en fait, les gens sont plus intéressés, plus préoccupés, on va dire, par leur difficulté à manger ou à trouver un emploi, etc., que par des sujets de fin du monde. Or, il y a quand même un lien entre les deux à faire, et ça reste encore à diffuser, à construire. Donc, d'où l'idée des appels à manifestation d'intérêt, où on va aller chercher des actions spécifiques en posant un cahier des charges, en posant des demandes bien particulières aux structures. Voilà, pour ne pas être que sur de l'appel à projet très ouvert et où c'est les structures qui posent et qui proposent des actions. Sinon, on va avoir que de la remise en selle, que du manger mieux, enfin, etc. Mais il y a encore d'autres éléments à mettre en place, donc c'est ça qu'on va aller chercher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en puisque Malik ne reste pas avec nous, c'est le moment. Vous pouvez aussi poser des questions sur le chat. Sur le chat. Alors, on va passer à Mathieu Gravelier, mais s'il y a des questions qui vous viennent pendant l'intervention de Mathieu Gravelier pour Malik, n'hésitez pas à les poser, si on les prendra après. Mathieu, donc de la ville de Grenoble, est directeur de projet quartier populaire et va justement nous parler de cette dichotomie entre fin du monde, fin de mois. Comment est-ce qu'on peut avoir justement des projets qui allient les deux? Merci, bonjour à toutes et tous. Voilà, parler des ateliers remis en selle qui ont été évoqués par Malik, qui est une action très modeste, hein, assez simple, mais qui a un impact assez intéressant justement pour travailler sur ce lien entre la lutte contre les inégalités et la question de l'accompagnement vers les transitions écologiques. Concrètement, c'est quoi? Ce sont plusieurs types d'ateliers qui permettent à des personnes qui n'ont jamais pratiqué le vélo ou qui ont besoin d'une phase de réacclimatation à l'utilisation du vélo, voire même qui ont besoin d'accompagnement pour s'approprier des outils type triporteur, d'avoir un accompagnement par l'association ADTC pour voilà, reprendre confiance, gagner en capacité à utiliser le vélo au quotidien. Ça se fait très en lien avec les maisons des habitants en proximité qui vont assurer le lien vers les habitants au travers des écrivains publics, des référents familles, des personnes en charge des ateliers sociolinguistiques, des agents de développement locaux qui vont aussi être en lien avec nombre d'habitants et qui vont accompagner les sorties avec l'association ADTC pour favoriser la confiance, la mise en confiance des personnes qui vont participer. L'association et les MDH permettent aux personnes qui vont participer aux ateliers d'avoir des vélos mis à disposition dans le cadre d'un partenariat avec le SMAG,
Donc voilà, tout est fait pour que ce soit le plus facile d'accès en proximité via les MDH, en permettant d'avoir le matériel à disposition et en ayant cet accompagnement par une association qui est habituée à remettre en selle des personnes qui peuvent être à un moment donné éloignées de la pratique du vélo. Donc ça, c'est sur le comment concrètement, qu'est-ce qui se met en place. Le pourquoi et l'impact, si tu peux passer à la diapo suivante, c'est que, bien sûr, au départ, il y a l'idée de permettre à toutes, à tous d'accéder à la pratique du vélo. Et avant tout, ça a été les premiers quartiers sur lesquels ça a été déployé, avant tout dans les quartiers populaires, parce que les personnes qui y habitent sont peut-être celles qui ont le moins la pratique du vélo, qui vont être dans des situations de précarité qui ne leur permettent pas toujours d'avoir accès à des mobilités aisées. Mais en fait, on se rend compte assez rapidement qu'au-delà de favoriser la pratique du vélo dans un souci de favoriser les modes doux, le report modal, on se rend compte que ça permet surtout, et ce n'était pas forcément recherché au départ, mais c'était un impact indirect assez intéressant, on se rend compte qu'on favorise beaucoup et on travaille beaucoup finalement sur la question de l'autonomie, l'émancipation de certaines personnes, et qu'au final, celles qui vont le plus se saisir de ces ateliers, ça va être essentiellement des publics femmes, beaucoup issues de l'immigration, qui n'ont pas eu la culture du vélo étant jeunes, qui n'ont pas forcément fait leur scolarité en France et qui ont pu bénéficier d'un certain nombre de dispositifs qui permettent de s'approprier l'usage du vélo, mais que par contre, ça a eu un effet déterminant pour elles dans leur capacité à investir la ville, à accéder à de la culture, accéder à du loisir, potentiellement aussi favoriser l'accès à l'emploi, et que c'est un vrai facteur d'émancipation pour des habitants, des habitantes, essentiellement des quartiers populaires, qui restent encore majoritairement les utilisateurs de ce dispositif. C'est à peu près 200 habitants, habitantes qui sont concernés chaque année. Donc c'est à la fois très modeste, très peu, mais pour les personnes que ça concerne, ça amène vraiment un vrai levier d'autonomisation au quotidien. Voilà pour ma part. Merci Mathieu. Est-ce qu'on a des questions sur ce dispositif ? Vous pouvez soit lever la main pour prendre la parole ou soit directement sur le chat. Une question de Marek qui demande combien ça concerne de personnes et de Nathalie depuis quand ça existe. Sur le combien ça concerne de personnes, je me permets d'augmenter la question en demandant est-ce que vous avez une stratégie pour le diffuser, le déployer plus largement, éventuellement en lien avec d'autres communes sur le territoire. Est-ce que ça fait des petits quoi? Et puis, depuis quand ça existe, je crois que c'était indiqué sur la diapo précédente. Oui, je crois que c'est 2017. Oui, ouais. Ça existe depuis 2017. Au départ, uniquement sur les quartiers QPV, quartiers prioritaires politiques de la ville, puis maintenant sur tous les secteurs de la ville de Grenoble. Depuis que c'est sur tous les secteurs, c'est à peu près 200 habitants qui vont être concernés chaque année via une vingtaine de séances d'ateliers sur chaque secteur. Et oui, on pourrait aller beaucoup plus loin si on avait et les moyens financiers de dupliquer dans le cadre du partenariat qui existe avec la DTC et la capacité à accompagner humainement les groupes qui participent aux ateliers. Et ça existe sur d'autres endroits. Ça a pu. Alors, je ne sais pas si c'est à partir de là que ça a essaimé ou si ça existait en parallèle ou auparavant. Mais il y a d'autres communes qui font ce type de choses. La métropole également développe des choses qui se rapprochent. Après, il y a probablement quelque chose d'un peu cohérent à construire au niveau du SMAG pour aller plus loin sur ce type de dispositif. Une question complémentaire. Est-ce que vous avez des chiffres sur le taux de concrétisation, c'est-à-dire le nombre de participants qui achètent ensuite un vélo pour se déplacer? Peut-être là aussi, on peut dire ce qu'ils achètent ou louent, réservent ou utilisent des métro-vélos. Non, pas d'éléments là-dessus, mais c'est une bonne question. Info à aller chercher. Je ne l'ai pas. Okay. On a une dernière question.
sur ce défi 6.4, quartier populaire engagé. Je vous invite à couper votre son si vous n'intervenez pas. Parce que sinon, on vous entend. Merci beaucoup. Nathalie Moyon a une nouvelle question. Oui, pardon, non, je reviens sur, sur ces éléments d'évaluation, vu que ça fait déjà du coup un certain temps. Et du coup, ça serait, enfin, si en plus il y a des expérimentations soit similaires, soit très proches dans les communes voisines, ça serait hyper intéressant de pouvoir mener un travail d'évaluation assez précise, même plusieurs années, enfin, sur les premiers pratiquants. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, enfin, voilà, vous avez déjà sans doute eu en tête, mais de quelle manière ça pourrait être concrétisé, ou je pense que ça serait vraiment super, super intéressant. Ce serait super intéressant. Après, j'ai l'impression qu'on est sur un dispositif aussi qui est aujourd'hui dans son fonctionnement et peut-être trop modeste pour justifier d'avoir une évaluation un peu poussée du type suivre une cohorte sur 3-4 ans pour voir dans la durée ce que ça peut impacter. Malgré tout, oui, ça serait hyper intéressant, je suis d'accord. On peut passer la parole à Mathieu Tupin, je vois qu'il lève la main et qui, je pense, va faire le lien avec la plateforme mobilité. Oui, parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on place ce type d'atelier au niveau de la plateforme de mobilité, l'atelier de remise en selle, et qu'on a déjà eu plusieurs évaluations du dispositif. Donc, les données, on les a déjà. Aujourd'hui, on a la capacité, effectivement, de donner les éléments de question. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, la dernière évaluation étant très récente, de reconduire ce type de démarche sur ce type d'action. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement le qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'il y a sur ce degré, ce taux de concrétisation? Est-ce que ça tient dans la durée une fois qu'on a fini les ateliers? Nous, ce qu'on constate, alors après, plus globalement, hein, parce que le vélo école, c'est un des ateliers qui est développé par la plateforme mobilité, mais c'est quand même que l'usage en mobilité douce reste ancré dans 70% des cas sur les usagers effectivement qui ont été accompagnés. Notre objectif premier, ça reste quand même de donner en mobilité pour accéder à la fois à la ville et à l'emploi aux personnes en étant au maximum pas dépendantes de la voiture. Et effectivement, les trois évaluations qui ont été menées au cours des 10 dernières années ont montré que dans les 2/3 des cas, les pratiques étaient intégrées. C'est encourageant. Oui, alors après je rejoins Mathieu sur le fait que je pense qu'on ne mesure pas à quel point la pratique du vélo n'est pas une pratique ancrée, notamment dans les quartiers, mais pas que, mais y compris aussi sur les publics vulnérables. Et la nécessité pour les jeunes et les moins jeunes de se former, et c'est un petit peu, je rejoins ce qu'il dit sur la question des moyens, puisqu'on a l'impression parfois d'écoper la mer avec une tasse, et c'est vrai que ça fait des années et des années qu'on met en place ce type d'atelier, et la demande ne décroît pas. Concrètement, on est incapable de faire face aujourd'hui, malgré les partenariats qu'on a, y compris avec la DTC ou autre, à la somme des demandes des stages de remise en selle qui sont envoyés vers nous tous les mois. On a une demande de précision. Est-ce que les résultats sont en ligne sur un site internet ou... Non, sauf si Hélène me dit que son service les a mis en ligne, parce que c'est Hélène qui m'a évalué. Mais non, par contre, après, ils doivent être accessibles, il n'y a pas de souci. On a un site qui s'appelle Parcours Mobilité Rhône-Alpes, sur lequel il y a un centre d'études et d'évaluation qui sont consignés sur ces questions. Vous pouvez l'écrire sur le chat ? Je mettrai sur le chat, je mets l'adresse. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer au défi suivant. Donc, manger sain, durable et pas cher, c'est possible. Avec la présentation de la plateforme Solidarité Grenoble. Avec Emmanuel Passot, donc du CCS de la ville. Bonjour. C'est bon, tout le monde me voit là ? Tout le monde m'entend ? Parfait. C'est bon ? Donc, si tu peux peut-être passer, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble, la Solidarité Grenoble, qui existe depuis 2017. Je vais vous présenter d'abord sa genèse et puis faire un petit bilan, puisque maintenant, au bout de 5 ans, on peut faire un bon bilan de fonctionnement.
C'est lors du premier mandat de Monsieur Piolle qu'a été instauré pour l'élaboration du plan stratégique du CCS de Grenoble, des réunions multipartenariales qui accompagnaient, qui invitaient des associations de l'action sociale et des partenaires institutionnels, la CAF, Pôle emploi, le département, etc. Et lors d'une de ces réunions, le constat a été fait qu'il existait beaucoup de choses sur Grenoble en matière d'action sociale, mais qu'on ne savait pas qui, quoi, où, comment, etc. Donc, il y avait un déficit d'information. Donc, tout de suite, l'idée était évidemment de faire un site d'information pour aider, et c'était vraiment répondre à la demande des associations, des bénévoles et des travailleurs sociaux pour pouvoir orienter leur public. Donc, ça a été fait grâce à un collectif des associations avec qui j'ai travaillé, nous avons la chance au CCS de les recevoir une fois par mois. Donc, du coup, on a pu vraiment lier connaissance et mener ce travail de front qui a duré à peu près un an. Donc, le but, c'était d'être vraiment le plus simple possible, le plus accessible, le plus clair possible, justement pour pouvoir vraiment orienter de manière très vite les personnes en difficulté. Donc, on est parti vraiment des besoins. Donc, ça correspond aux items que vous voyez et aux pictogrammes. Parce que l'approche par public, c'était pas possible et c'était pas intéressant parce que tous les besoins sont redondants par public. Donc, qu'on soit jeune, vieux ou une famille, on a besoin de manger pareil. Donc, voilà, l'entrée, c'est où manger. Donc, voilà. Donc, c'est aussi une manière aussi de lutter contre le non-recours parce que du coup, on s'est aperçu aussi, alors que la demande était vraiment professionnelle à la base, en fait, on s'aperçoit maintenant que les 16 500 connexions sont à peu près 50% faites par le moyen du téléphone portable. Donc ça, ce n'est pas les professionnels et ce n'est pas les bénévoles, c'est les personnes elles-mêmes dans la rue. Donc en fait, elles se sont complètement appropriées l'outil. Et ça, ce n'était pas du tout le but au début. Donc comme quoi, ça nous a échappé. Et en fait, c'est plutôt bien parce que du coup, les personnes sont un peu autonomes là-dessus. Donc on a essayé de balayer à peu près tous les besoins en partant évidemment de l'offre d'action sociale hein, sur le territoire. Donc, on est grenoblois parce que le CCS, c'est le CCS de Grenoble, mais évidemment, on déborde un petit peu sur la métro. Donc, vous retrouverez les Restos du Cœur de Gières, de Fontaine, des Chiroles, Solidarité, Solidaroto, des choses comme ça. Parce que si c'est vraiment très, 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 très proche, voilà. Il y avait un projet aussi d'élargir la plateforme au territoire métropolitain. Et puis, ben, ça s'est un petit peu perdu. Bon, enfin bon, le projet est toujours d'actualité. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Qu'il y a eu très, très peu de publicité, etc. Et c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait que le site, ben maintenant, ouais, 16 500 connexions par mois en moyenne, c'est quand même pas mal. On a plus de 350 même acteurs référencés. Et en fait, on a débordé carrément nos frontières parce qu'on a essaimé le site. Notamment, le premier CCS intéressé à nous avoir contacté, c'était le CCS de Lille. Donc, il existe un Lille, enfin, Solidarité Lille, trois, comité de Grésivaudan, Tourcoing, Chambéry, Montreuil aussi. Donc, on est assez fiers de ça parce que du coup, ça n'a pas tout à fait les mêmes pictogrammes, etc., les mêmes couleurs, mais le fond et le fonctionnement sont les mêmes, quoi. Donc, on a essaimé, ça c'est plutôt bien. Donc, on est assez fiers de ça. Si on peut passer à l'intérieur, comment ça se passe ? Il n'y a pas le manger ? Ou alors après, bon, ça, je peux revenir là. Donc, du coup, il y a un site internet, c'est bien beau, mais on a quand même eu aussi des demandes, parce qu'avant, il y avait un petit livret qui s'appelait Solidarité Grenoble, qui était un livret papier. Donc, le problème avec le papier, c'est que c'est obsolète tout de suite. Donc, mais on nous a quand même demandé de refaire des supports papier pour les gens, pour une partie des gens qui étaient à la rue, qui n'ont pas tous accès à Internet avec leur téléphone. Donc, on a fait des petites cartes qui reprennent l'essentiel où trouver de l'aide. Et puis, ça, les tableaux où manger, ça, je les ai créés lors de le premier confinement, quand tout a fermé. En fait, tous les lieux d'accueil de distribution alimentaire ont fermé parce que les regroupements étaient interdits. En plus, souvent les bénévoles sont âgés, donc ils étaient des personnes à risque et vulnérables, donc ils ne pouvaient plus sortir.
Donc, j'ai créé ce petit tableau qui était mis à jour pratiquement tous les jours parfois pour pouvoir justement donner la formation aux personnes en disant, ben voilà, vous pouvez aller ici, 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 soit pour le petit déjeuner, soit pour le midi, soit pour le repas du soir. Et ça, donc, c'était mis en ligne sur le Facebook qui permet justement d'alerter les gens quand ils sont abonnés et d'avoir la formation tout de suite, quoi. Et là, ça a eu un succès, si on peut dire. Au moins, on s'est rendu qu'on était très utile parce que ça a été très, très souvent téléchargé et consulté. Donc là, on est vraiment dans notre rôle de service public et moi, je suis à la documentation, donc en plus, transfert de l'information. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça a été très important pendant l'épidémie, ça, on s'en est bien rendu compte. Et que les projets, maintenant, ça serait peut-être une traduction du site en plusieurs langues. Donc voilà, ça, c'est quand on appuie sur la page d'accueil sur alimentation. Là, on a plusieurs items. Donc, c'est manger pas cher ou gratuitement. Donc après, oui, sain et durable, peut-être pas, mais au moins manger pas cher, ça oui, dans l'intitulé du défi. Là, c'est l'exemple du repas de midi. Donc là, c'est une photographie. Donc là, normalement, ça devrait être tout en vert. Parce que quand les choses sont ouvertes aussi, ça, c'était une demande des élus, il fallait que ça apparaisse en vert. Donc là, à midi, tout est ouvert. Normalement, donc c'est les petites flammes sont vertes et pas rouges comme actuellement. Et quand vous cliquez sur un des acteurs, vous avez accès à tous les renseignements, les horaires d'ouverture, les dates, etc. Et plus, vous avez la possibilité de se géolocaliser quand vous êtes dans la ville avec votre téléphone portable. Et donc, vous savez où est le point le plus près. Donc ça aussi, ça marche bien aussi. Emmanuel, je tiens la montre et les 5 minutes sont passées, donc de toute façon, il y aura sans doute des questions. Ben non, ça y est, moi j'ai fini. Super. Si vous avez des questions donc, sur cette plateforme interactive, n'hésitez pas. Et donc, au niveau de la mobilité, il y a tout ce qui… Dans l'item mobilité, il y a la DTC, il y a la plateforme mobilité de la métro. Donc, j'ai vérifié, je suis contente. Tout le monde connaissait la plateforme ? Oui. Bon, il y a eu au moins un oui. Il y en a quelques-uns dans le chat aussi. Manifestement, effectivement, peut-être que parmi les 16 500 connexions de ce mois, il y en a quelques-uns autour de la table. Moi, je ne connaissais pas avant d'organiser cette visio. Pour tenir le timing, Hélène, peut-être s'il y a des questions, on les pose dans le chat et Emmanuel peut y répondre. Ouais, ça marche. Eh bien, on va donc passer à un autre Emmanuel, mais le floc. Donc, sur le défi 6.2, solidarité avec les pays les plus impactés, et pour qu'il nous explique ce que fait la ville de Grenoble et quel travail il mène auprès des associations de solidarité internationale. Merci Hélène, merci de cette invitation, merci à tous les intervenants, intervenantes précédents et à suivre. Voilà, c'est toujours très instructif. Alors, effectivement, la ville de Grenoble s'engage dans la solidarité et les inégalités via, entre autres, ce que je vais dire n'est pas forcément exhaustif parce que sûrement qu'il y a des éléments et en 5 minutes, ce ne serait pas possible d'être totalement exhaustif, bien évidemment. Grenoble Ville Ouverte travaille pour sa partie, pour sa dimension internationale avec 19 villes partenaires. Soit sous forme de jumelage, soit sous forme de coopération. Donc, la Maison internationale, qui est un peu l'organe pour faire vivre ces relations-là, propose des expositions, des conférences, etc. Mais on ne se restreint pas à ces relations-là. On explore aussi toutes les cultures étrangères à travers le monde, avec une attention qui est forte pour les inégalités. J'en veux pour preuve, alors Grenoble fait partie de nombreux réseaux internationaux dans le domaine de la solidarité internationale.
mais il y en a une qui est particulièrement saillante, c'est celle de la participation en tant que membre fondateur, c'est l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui est une réunion de collectivités et qui travaille ensemble sur ces questions et ces échanges et ces co-constructions de projets et ces regards portés justement sur toutes ces thématiques avec le principe fondateur qui est l'inconditionnalité. L'ANVITA et la ville de Grenoble sont évidemment attachés à cela. La ville de Grenoble en a fait vraiment presque un mur porteur de sa politique de solidarité internationale. Alors, ça se décline de plusieurs manières. Je parlais de la Maison internationale, qui est un des organes. J'ai identifié dans cette présentation deux pôles, deux endroits à la ville de Grenoble qui sont hébergés par la ville de Grenoble. Alors, le premier, c'est le pôle de solidarité internationale, créé en 2019, qui est situé 5 rue Frédéric Garcia Lorca. Pour ceux qui ne sauraient pas où c'est quartier Claudel, MC2, voilà, conservatoire, qui héberge 7 associations. Alors, je vais vous en faire la liste, mais toutes sont munies d'un site Internet. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment aller voir l'expertise et le périmètre de chaque association. Alors, ces associations sont les suivantes. L'École de la paix, qui fait des formations, qui fait des conférences sur le sujet de la paix. Les Kinés du monde, qui font notamment des interventions sur des sites à l'étranger. L'Aide médicale et développement, l'AMD, qui propose un accès à la santé par des partenariats locaux. Santé Diabète, qui a son siège à Grenoble, mais le directeur général est à Bamako. Bouquins sans frontières, qui est une association qui propose du prêt de livres et qui est aussi située au pôle de solidarité internationale. Aide et Action en Isère, qui est plus sur le thème de l'éducation. Et Tétractis, qui est une ONG qui propose du développement local et du développement rural. J'en parlerai, je parlerai de Babel Saint-Boudeau dans quelques instants, mais juste vous dire comment est-ce qu'on articule aussi l'activité de ces associations avec notre propre activité à la ville et notamment la Maison internationale, c'est qu'on leur propose des espaces, notamment de témoignages de leurs actions. J'en veux pour preuve deux projets que j'ai isolés parmi d'autres. Il y a quelques mois, on a accueilli l'association Tétractis, qui a un dispositif de géoparc au Laos et qui est venu expliquer à la fois le dynamisme de ce projet, mais aussi les difficultés locales. Enfin, c'était absolument passionnant. C'était aussi une conférence qui était sur la dimension géopolitique au niveau local, avec une exposition temporaire qui illustrait la conférence. Et puis, on a reçu il y a quelques semaines une conférence avec notamment comme intervenant Pierre Micheletti, le président d'Action contre la faim, sur l'accès aux soins selon le genre. Et là, c'était porté par l'ensemble du pôle de solidarité internationale. Vous voyez donc, l'articulation, elle se fait sur des espaces de visibilité pour ces associations et évidemment la mise à disposition de locaux, ce qui n'est pas rien. Le deuxième pôle qui ne s'intitule pas pôle, c'est Babel Saint-Bruno, qui est dans le quartier de Saint-Bruno, en face de la maison des habitants, qui lui héberge 4 associations, la Pardap, Beiti, Cuisine sans frontières et 3 amis. La Pardap travaille sur le droit d'asile et organise avec la ville de Grenoble notamment le parrainage républicain qui a eu lieu dernièrement le 18 décembre à l'hôtel de ville de Grenoble. Beiti est une association plus culturelle, Cuisine sans frontières, son nom évoque facilement que c'est la pratique de la cuisine et 3 amis et sur l'enseignement. Là, c'est pareil, on travaille aussi avec eux, donc mise à disposition de locaux, réunions régulières pour se tenir au courant des projets ensemble. Il y a le lien, par exemple, pareil, j'ai isolé ce temps-là, le 18 novembre dernier, on a accueilli une lecture théâtrale initiée par la Pardap qui s'intitule Vie exilée, vie cabossée, qui était une espèce de teaser d'un spectacle qui a été joué dernièrement à l'avant-scène le 20 mai. Et on a permis à cet espace de mettre la disposition à cet espace et à cette association pour pouvoir avoir un premier temps de confrontation au public de leur projet. Donc, c'est vraiment de l'huile aussi dans les rouages et le lien, il se fait de cette manière-là. Autre point très important dans la présentation, j'ai un œil sur la montre, Grenoble Terre d'Accueil, qui est donc sur la plateforme
Volontaires solidaires de la ville de Grenoble. C'est une plateforme qui a été créée en 2015 et qui a pour objectif et pour nature de mettre en relation les propositions des citoyens en termes d'aide, de solidarité, avec les associations qui sont directement en contact avec les personnes fragiles. Malheureusement, j'ai envie de dire, cette plateforme a connu une actualité brûlante et connaît encore une actualité brûlante avec la guerre en Ukraine. Et là, les derniers chiffres que j'ai regardés juste avant mon intervention, c'est que pour les dons à destination des Ukrainiens, qui sont donc des dons en temps, en matériel, sont au nombre de 404. Et en ce qui concerne les migrants, donc toujours avec ce principe d'inconditionnalité, c'est 305 propositions d'hébergement qui ont été faites. Donc, ces propositions sont transmises à des associations partenaires. Autre élément, dans le cadre de l'arrivée des réfugiés ukrainiens sur le territoire grenoblois, nous avons mis en place aussi des ateliers initiés par une association qui s'appelle Ukraine Grenoblisère. Et donc, nous avons 10 créneaux par semaine d'ateliers et ils ont trouvé les intervenants, l'association a trouvé les intervenants, mais ils étaient en manque d'espace et donc, à 10 reprises, sur des créneaux de 1h30, les ateliers ont lieu à la Maison internationale, équipement de la ville de Grenoble, que je rappelle ici. Voilà pour moi, je relis mes notes, mais je pense qu'on est pas mal. Autre élément aussi qui a du sens, à mon avis, dans les inégalités, qui est plus là de l'ordre du culturel, on travaille avec nos collègues de la Direction des Affaires culturelles à l'instruction de dossiers de demande de subvention des compagnies artistiques grenobloises qui ont un projet de coopération internationale. On entend par coopération internationale que c'est un vrai projet avec des artistes locaux dans les pays qui ont été choisis par les compagnies artistiques grenobloises ou choisis, en tout cas sollicités, enfin, voilà, dans une aspiration réciproque. Et donc la ville de Grenoble aide ces compagnies à travailler avec l'Institut français précédemment, sans doute aussi dans l'avenir. Et pour ce qui est de cette année, de 2021, c'était seule la ville de Grenoble qui accompagnait et soutenait ces compagnies. Et j'estimais que ça rentrait dans le cadre des inégalités parce qu'il y a des pays ou des thématiques qui sont fortes et qui sont dans le projet des compagnies artistiques. Je pense par exemple au Brésil, il y a pas mal de compagnies qui vont au Brésil et c'est aussi un regard et une coopération qui a à voir avec les inégalités. Merci Emmanuel. Alors, est-ce qu'on a des questions? J'en vois pas sur le chat. S'il n'y en a pas, on va enchaîner parce que la maître du temps me dit qu'il faut qu'on avance. Merci beaucoup. S'il y en a d'autres qui arrivent pendant la présentation, n'hésitez pas, hein, le chat est là pour ça. Donc, je vais donner la parole à la Métropole, donc à Mathieu Tupin et Fanny Emo, qui vont nous parler du Forum des métiers de la transition écologique. Donc, c'est la première édition qui va être organisée à Alpexpo à la fin du mois de juin, 23-24 juin. Oui, bonjour à tous. moi, je vais vous parler du Forum des métiers de la transition écologique. Donc, c'est la première édition cette année. Il a lieu 23-24 juin, comme tu l'as dit, Hélène, à Alpexpo à Grenoble. Et on espère toucher environ 2000 visiteurs. L'entrée sera libre pour tous. L'objectif de cet événement, c'était de pouvoir réunir sur un même lieu à la fois des entreprises, mais aussi des organismes de formation, des partenaires de l'emploi et d'autres structures pour présenter quels sont les métiers de la transition écologique sur notre territoire, comment ça s'articule, à quoi ça ressemble, quels sont les secteurs impactés et quels sont les besoins aussi en termes de recrutement au niveau des entreprises. Donc, il y a plusieurs points importants sur cet événement, donc à la fois un aspect d'exposition, présentation des métiers à travers des stands. On attend plus d'une cinquantaine d'exposants, donc comme je l'ai cité auparavant, qui vont venir témoigner de leur métier, que ce soit par des témoignages directs, de la démonstration, des outils de communication qui seront développés pour rendre ces métiers-là attractifs et les faire connaître. Et puis, on a aussi tout un volet conférences, table ronde, conférences avec une programmation qui est en train de se concrétiser, de se finaliser, qui aura lieu en parallèle de l'événement à Alpexpo toujours pendant les 2 jours. Et pareil, l'accès sera libre
Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir interviewer directement des personnes qui sont au cœur de ces thématiques-là, qu'elles puissent répondre à des questions et aborder, les différents secteurs. Enfin, voilà, on va donner la parole aux différents secteurs qui seront présents sur l'événement. Donc, on vous a noté les différents secteurs qui sont retenus qui seront mis en valeur durant cet événement, les énergies renouvelables, l'éco-rénovation des bâtiments, l'agriculture, les questions de mobilité, etc., tous des secteurs qui ont des besoins de recrutement. Et on espère avec cet événement-là, pouvoir montrer toute la diversité des métiers en lien avec la transition écologique et aussi à travers ces exemples, montrer également tous les besoins en recrutement qui sont présents sur notre territoire. Et montrer que ce sont des métiers qui sont accessibles à tous et toutes, à différents niveaux, sur différents niveaux. Et enfin, on a aussi un volet animation et démonstration, notamment à destination des publics plus jeunes. On va faire venir des visites scolaires, des groupes scolaires, et donc il y aura le bus de l'orientation, différents jeux pour animer, et puis pour que la présentation des métiers soit plus concrète et plus ludique. Et enfin, la dernière partie qui est importante également sur cet événement, qui vient bien compléter toute la proposition, c'est l'aspect job dating. On organise également un job dating sur les deux jours en parallèle des stands et de l'aspect exposition, où on attend environ entre 15 et 20 entreprises. Là, du coup, c'est plus trop à jour, mais on est plutôt autour de 50-60 offres d'emploi pour l'instant. Donc, en lien directement avec les partenaires de l'emploi qui vont pouvoir inscrire les candidats sur les offres d'emploi que nous ont déposées les entreprises. Et donc, on espère pouvoir répondre aux besoins des entreprises de la transition écologique sur le volet recrutement, mais aussi sur le volet donc à court terme avec le job dating, mais aussi à long terme en donnant envie au public, aux jeunes, de s'orienter vers ces métiers, vers ces filières-là, en leur donnant toutes les clés de réponse de par quels sont les métiers, quelles sont les formations pour y accéder. Donc on va favoriser une insertion professionnelle de tous les publics, et en particulier les publics les plus éloignés de l'emploi qui sont accompagnés par nos services, mais pas que. On est aussi ouvert à tous les publics. On va toucher à la fois, on espère, les étudiants, mais aussi les personnes qui sont en reconversion, en recherche d'information pour un futur métier. Et on espère pouvoir présenter de manière non exhaustive tous les métiers durables de la transition écologique sur le territoire métropolitain. Voilà pour la présentation concrète de l'événement qui approche, le 23 et 24 juin, c'est demain. C'est toujours possible de s'inscrire? Oui, c'est toujours possible de s'inscrire pour exposer ou pour le job dating. Donc, il faut directement me contacter pour ça. Et après, pour les publics, c'est un accès libre, que ce soit les conférences ou l'événement. Donc, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Merci Fanny. Est-ce que Mathieu Tupin, vous voulez compléter? Non, Fanny a été très complète. Je suis là pour répondre à des questions éventuelles, mais sinon, je me tais. Une question dans le chat qui est, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de conférences ou d'ateliers? Et je complète avec une autre question qui est, comment est-ce que vous avez été reçu par les entreprises? Et est-ce que ça a bien répondu? Vous sentez que ça correspondait à une demande, un besoin? Et et peut-être la question du lien avec la formation du côté universitaire, parce que la question d'une nouvelle compétence, c'est aussi, est-ce que pour aller à ces nouveaux métiers, est-ce que le chemin est tracé? Donc je vais reprendre dans l'ordre. Différents exemples de conférences. Donc on a des conférences plus larges sur quels sont les métiers de la transition écologique, notamment portés par Pôle emploi ou d'autres acteurs, pour expliquer un peu quels sont les différents secteurs et les différents métiers de manière générale. Et après, on fait des focus aussi par secteur. Donc notamment, par exemple, concrètement, quels sont les métiers de l'éco-rénovation des bâtiments, de l'isolation thermique par l'extérieur. On espère aussi avoir donc une table ronde autour des professionnels de la filière bois. Il y aura d'autres conférences autour de l'énergie, des choses comme ça.
Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est également sur l'événement, il y aura une radio qui va être présente pendant les deux jours, News FM, et qui va animer et enregistrer des tables rondes. Donc, on va essayer de, voilà, de pouvoir faire participer un large panel d'acteurs. Et donc, tout ça sera enregistré et sera rediffusé par la suite, de même pour les conférences. Quant à la mobilisation des entreprises et des structures, oui, il y avait des besoins. Donc, effectivement, l'événement répondait à leurs besoins et les intéressait. Néanmoins, il y avait, on a eu des difficultés par rapport à la période choisie où il y a beaucoup de sollicitations pour les entreprises. Donc, ça n'a pas, voilà, on aurait aimé peut-être en avoir davantage à proposer, mais comme c'est une première édition, et ben voilà, c'est tout est à construire et donc ça va que s'améliorer. Et pour la question des formations, on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Et en fait, cet événement vient aussi montrer qu'il y a des besoins et donc peut-être pourra permettre de renforcer les formations existantes, de les adapter ou d'en créer de nouvelles. Mais on se rend compte que sur le territoire, il y a quand même pas mal de choses déjà qui existent et qui sont à mettre en valeur. Et c'est pour ça qu'on fait aussi cet événement-là, pour pouvoir montrer tout le panel de ce qui se fait. On a essayé de ratisser large. J'espère qu'on n'aura oublié personne. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Alors, il y a des propositions dans le chat, mais qui sont plus pour les autres intervenants. Donc, je vous laisserai continuer l'échange dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Alors, j'espère que cette présentation par Fanny vous donnera envie de vous rendre au forum le 23-24 juin prochain. Je vous propose de passer au dernier défi où on a 4 interventions. Donc, c'est stop à la précarité énergétique. Et on va commencer avec Florence Guilcher, qui fait partie du CCAS, qui est chef de service de le pôle inclusion financière, qui va nous présenter le SLIM de Grenoble, donc le service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie. Exactement, merci Hélène et merci à tous pour les interventions précédentes. Donc moi, je vais vous présenter l'action que mène le CCAS depuis une dizaine d'années en matière de lutte contre la précarité énergétique par la création et la gestion d'un SLIM, donc un service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie. C'est un dispositif qui permet de travailler sur le repérage des publics en situation de précarité énergétique, de qualifier leur situation à travers la réalisation d'un diagnostic socio-technique et de proposer un accompagnement renforcé à ce public. Donc, on touche des habitants grenoblois qui sont potentiellement touchés par la précarité énergétique. Donc, ce sont plutôt des personnes qui vont cumuler la plupart du temps une situation précaire financièrement, des consommations d'énergie qui peuvent être à la fois importantes ou au contraire des gens qui sont plutôt en privation, et souvent dans un logement qui n'est pas toujours adapté parce que lié à des problèmes de bâti. Donc, très concrètement, le SLIM, ça fonctionne de la manière suivante. Donc, en fait, on va repérer le public, alors souvent à travers des prescripteurs. Donc, principalement sur Grenoble, on a des orientations par l'intermédiaire de GEG qui nous orientent à peu près 65% du public, mais également des assistantes sociales du département. Et puis après, on a des prescripteurs un peu plus éclatés, on va dire, mais aussi des services internes au CCAS. Et une fois qu'on a pu capter les personnes, on va leur proposer donc une qualification de la situation à travers un diagnostic socio-technique qui est réalisé par des travailleurs sociaux qui vont intervenir au domicile, dans l'objectif de comprendre et analyser les consommations des ménages, comprendre leur situation socio-économique, mais aussi procéder à des relevés de température, des relevés de consommation d'énergie. Et une fois qu'on comprend un petit peu mieux la situation sur ces différents domaines, on va procéder à un rapport de visite qui nous permet de faire des préconisations. On peut orienter la personne vers différents types de solutions, alors qu'on peut catégoriser un petit peu, donc des solutions qu'on va plutôt qualifier de sociales, budgétaires, et puis aussi des solutions plus techniques et juridiques.
Et ça va nous permettre de proposer un suivi, un accompagnement renforcé aux ménages. Donc, très concrètement, on peut, à travers les actions qu'on va mener, soit les faire nous-mêmes, soit orienter vers d'autres partenaires. En tout cas, on va toujours être référent de la situation du ménage. Et on va pouvoir proposer de l'accompagnement budgétaire parce que il n'y a pas de précarité énergétique s'il n'y a pas de précarité financière, hein, malheureusement. Et ça nous permet aussi, dans ce cadre-là, de travailler sur la médiation avec des créanciers, mais aussi vérifier l'ouverture des droits. Et on a une intervention assez importante en termes de médiation avec les bailleurs, puisqu'on touche à peu près 80% de locataires, hein, dans le public qu'on accompagne. Pour les propriétaires, on a également créé un fonds d'aide aux travaux qui vient compléter les aides d'État et les aides existantes par ailleurs. Donc, ce qui est assez intéressant dans le dispositif tel qu'il est mis en place, c'est qu'il y a une porte d'entrée qui permet une prise en charge, encore une fois, unique pour que la personne elle puisse avoir un référent qui va l'accompagner de la qualification de sa situation à la recherche de solutions adaptées. Donc, ça, c'est le volet individuel du SLIM qu'on vient compléter avec des actions plus collectives. Donc, on a des projets complémentaires à ce dispositif. Donc, ça, c'est sur la dernière slide que j'ai... si on peut pas, ouais, bon, du coup, on n'a pas passé l'accompagnement renforcé, mais c'est, voilà, je viens de le citer, ce n'est pas gênant. Je vais juste aller sur la dernière slide, Hélène. Donc, au départ, le SLIM, c'est une porte d'entrée individuelle, comme je viens de le dire. Ceci étant, si on veut travailler sur du repérage et de la sensibilisation, c'est important de pouvoir compléter avec d'autres types d'actions. Donc, on a notamment mis en place des ateliers d'auto-évaluation des situations de précarité énergétique donc sur toute l'année 2021, avec notamment l'utilisation d'un conformètre qui est un outil qui a été conçu par des étudiants de l'INP de Grenoble en partenariat avec la chaire HOPE. Donc, peut-être que Régis nous en reparlera après. Et on s'est également doté d'un jeu qui a été créé par le département du Tarn pour sensibiliser aussi aux éco-gestes. Et c'est une autre manière, de manière un peu ludique, de capter des gens pour ensuite peut-être leur proposer un accompagnement plus individuel et plus personnalisé. Et on soutient également un projet qui s'appelle, enfin, un livre qui a été créé, qui est actuellement diffusé, qui s'appelle « Jérémy et la maison malade ». Qui est également aussi un projet en partenariat avec la chaire HOPE et avec des étudiants de l'INP, qui nous permet d'avoir d'autres supports de médiation pour faire de la sensibilisation plus précoce, je dirais. Et enfin, cette année, on a pour objectif d'encadrer des jeunes en service civique pour améliorer le repérage des situations et peut-être développer plus des actions d'aller vers. En tout cas, ça nous permet d'imaginer des moyens supplémentaires pour travailler sur le repérage, qui est encore une fois un des points les plus importants sur les questions de précarité énergétique. Voilà, je suis allée très vite, mais je sais qu'on est assez contraint au niveau du temps. Une question d'Augustin. Est-ce que la mobilité est inclue dans le diagnostic initial ? Alors non, en fait, on considère la précarité énergétique au regard des charges qui sont liées à l'énergie, donc au chauffage, l'électricité spécifique et à l'eau. Mais il y a des territoires, notamment des territoires plutôt périurbains, qui considèrent dans la précarité énergétique aussi les frais liés à la mobilité, ce qui n'est pas notre cas dans la manière d'analyser la situation. Je crois qu'on a des participants qui ont levé la main. Allez-y, si vous voulez poser votre question. Et Nathalie, je pense. Oui, j'avais une question par rapport à... J'avais en tête, moi, la plateforme précarité énergétique. Alors, est-ce que c'est un dispositif avec lequel ça s'articule ? Ou, parce que là, vous parliez plutôt d'une méthodologie. Oui, parce qu'en fait, on s'est renommé. En fait, si vous voulez, quand on a commencé à expérimenter des réponses en termes de lutte contre la précarité énergétique, on a créé un dispositif qu'on appelait plateforme parce qu'elle avait l'idée de coordonner des acteurs autour d'une la situation d'un ménage. Aujourd'hui, on a un financement de l'État, hein, par le biais d'une association qui s'appelle Le Clair et du coup qui labellise en fait ces dispositifs sous l'égide sous l'appellation SLIM. Ouais. Donc, on l'utilise de plus en plus cet acronyme pour entre guillemets, neutraliser un peu le sujet. Voilà. Donc, notre nouvelle communication là qu'on vient de sortir, effectivement, fait mention du SLIM.
Ok, mais ça ne veut pas pour mais autant c'est le même dispositif. La plateforme précarité énergétique est devenue Slim pour la faire plus simple. Ouais, ok. Donc, vous êtes toujours en lien de travail avec GEG, avec exactement. GEG, principal prescripteur, on fait des permanences toutes les semaines dans leurs locaux. Ok. Mm. Merci pour l'éclairage. On a une autre question de Sonia. Qu'on n'entend pas. Et Mathieu Tupin, vous aviez une question. Non plus. Non, ok, pardon. Ça devait être une main qui restait d'avant. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la présentation de HOP pour avoir un regard éclairant justement sur les études qui sont faites sur la précarité énergétique. Donc, je passe la parole à Régis Largillier. Merci. Donc, on peut passer tout de suite dans la première slide. Donc, je suis Régis Largillier, je suis titulaire de la chaire HOP. Très rapidement, la chaire HOP, c'est une initiative qui a été lancée il y a 3 ans, 4 ans, avec quelques partenaires, dont Grenoble Métropole, pas que, il y a Rouen aussi, et puis il y a des industriels, des financiers, vous voyez tout en bas, là, les différents partenaires de cette chaire HOP, qui a l'objectif, un, de faire avancer la connaissance de la précarité énergétique, pour mieux lutter contre la précarité énergétique et innover les dispositifs et les moyens et les processus pour mieux lutter contre la précarité énergétique. J'ai juste illustré trois types de sujets sur lesquels on a commencé à travailler et on a produit un certain nombre de choses très intéressantes. Un qui est les relations santé et précarité énergétique. Je vais le dire un tout petit peu, j'ai une diapo là-dessus parce que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Autour de la métropole de Grenoble. Il y a un autre sujet qui est la double précarité mobilité-logement. Donc, on a fait un certain nombre d'études, de travaux, en particulier sur le territoire rouennais, mais aussi au niveau européen, un benchmark, savoir quelles sont les initiatives qui prenaient en compte cette double précarité au niveau européen sur précarité, logement et mobilité. Et le troisième axe, un des troisième axes de travail, c'est quels sont les leviers pour mobiliser les acteurs pour lutter contre la précarité énergétique. Quels sont les freins et les leviers? Et ça, on a travaillé beaucoup à la demande d'associations comme la Fondation Abbé Pierre, comme le Secours catholique, le Secours populaire, qui nous ont demandé un petit peu de savoir quels sont les différents critères qu'il faudrait intégrer dans leur dispositif pour pouvoir être plus efficace à la lutte contre la précarité énergétique. C'est pour vous donner un petit peu le type de travaux qu'on fait. Et le deuxième axe qui est donc mobiliser et mettre en action, c'est justement porter cette connaissance, juste avant de passer sur celui-là, mettre sa connaissance sur différents acteurs du terrain qui ne sont pas forcément bien impliqués sur la lutte contre la précarité énergétique. Et je vais focaliser aujourd'hui sur un exemple qui sont le monde académique et les étudiants. Là, on peut passer à la slide d'après, où justement, on s'est aperçu que finalement, les étudiants, le monde académique est très friand de ce type de sujet et est capable d'apporter et d'innover un petit peu pas mal de choses. Avec comme objectif qu'on avait, c'est de sensibiliser tous les étudiants de France à la précarité énergétique pour qu'ils puissent intégrer la précarité énergétique et l'impact social et sociétal finalement de leur discipline, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient urbanistes, qu'ils soient architectes, qu'ils soient philosophes. Ben, s'ils arrivent à intégrer ce que c'est que la précarité énergétique, ben ce sera mieux pour la suite, eux qui sont les futurs décideurs et les futurs acteurs de la vie économique, politique et associative de demain, c'est bien si dès leur formation, on intègre la précarité énergétique. Et le deuxième élément, c'est d'accompagner des projets innovants que les étudiants et le monde académique est capable de développer. Et donc, Florence du CCAS en a parlé. Je vous ai donné quelques illustrations dessous et quelques illustrations là, des outils qui ont été développés par les étudiants. Donc, le Conformette, la maison, donc Jérémy, la maison malade, qui sont juste pour vous donner un petit peu l'impact de ces outils. Ces outils sont déployés, le CCAS de Grenoble en a parlé, avec GEG, ils l'ont déployé sur tout le territoire grenoblois, EDF l'a déployé sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et est en train d'être pris au niveau national, par EDF au niveau national, tellement cet impact de ce bouquin, là, Jérémy, la maison malade, Conformette, est fort. C'est utilisé aussi par la métropole de Lille, c'est utilisé par les collectifs d'associations de Roubaix. Donc voilà, c'est très intéressant.
Un autre exemple, c'est une séquence pédagogique pour approfondir donc l'éducation des enfants, des jeunes enfants sur la précarité énergétique. Et ça, c'est un module qui a été développé par Centrale Marseille, qu'on a accompagné pour justement essayer d'impliquer les jeunes, très jeunes, à porter sur le sujet de la précarité énergétique. Il y a un autre aspect très, 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 très fort qui a été porté par la chaire HOPE au niveau national, c'est travailler sur la précarité énergétique étudiante. C'est un dispositif, les étudiants, c'est une population qui n'est pas vue aujourd'hui par les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique ou d'observation par la précarité énergétique. Et pour petite anecdote, enfin c'est plus qu'une anecdote comme impact, c'est que l'ONPE, donc l'Observatoire national de la précarité énergétique, est en train de reprendre toute l'étude qu'on a fait pour pouvoir intégrer dans leurs travaux les résultats de ce travail qu'on a fait sur 2000 étudiants sur la région grenobloise, sur ce que c'est que qualifier la précarité énergétique étudiante et quels sont les dispositifs spécifiques à mettre en place. Et puis, ces étudiants, voilà, c'est juste pour dire, il y a plus de 40 enseignants à travers la France qui sont mobilisés, plus de 1500 étudiants qui ont été sensibilisés, une création d'un collectif aux étudiants, ils sont créés, ils ont dit c'est trop important, on se crée un collectif entre nous, et puis il y a 200 étudiants qui sont permanents à se changer. Ça, c'est le premier exemple, et je voudrais illustrer avec un deuxième exemple, c'est ce diapo d'après, sur l'axe de travail qui est santé et précarité énergétique, le type ce qu'on est en train de faire, on a monté un projet qui s'appelle Rénov' Santé, qui est piloté par l'ORS, donc l'Observatoire Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, avec un certain nombre de partenaires, vous voyez ci-dessous, qui est l'étude, c'est de mesurer les évolutions de consommation de soins avant et après rénovation. Donc, on s'appuie sur des programmes de rénovation existantes. Ces projets sont pilotés par les compagnons bâtisseurs et Solia sur le terrain pour faire des enquêtes. Donc, on s'appuie sur les programmes de rénovation pilotés par Solia et les compagnons bâtisseurs. Et on fait une étude avant rénovation, une étude qualitative et quantitative des consommations de soins, et on refait la même étude un an après la rénovation, et on est en train de mesurer finalement est-ce que de rénover un logement a un impact sur la santé des gens et sur la consommation de soins. Donc l'étude se déroule, et l'étude est très très visible au niveau national puisqu'elle est en partie financée par le ministère de la Santé, mais également par le ministère du Logement et par des grandes institutions aussi comme l'ONPE, donc l'Observatoire national de la précarité énergétique, par l'ADEME, et puis par, localement, par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui finance également ce projet. C'est un projet donc sur 5 départements, dont l'Isère. Donc les premiers questionnaires et les premières enquêtes sont partis en décembre 2022 sur des grosses rénovations autour de Chamberton, Renaudy, pour ceux qui connaissent, dans la région grenobloise. Ben, c'est typiquement sur ces sujets-là que HOPE est en train de travailler pour essayer de mettre en valeur. L'objectif, c'est quoi? C'est de montrer finalement qu'un programme de rénovation pour lutter contre la précarité énergétique, ça a des impacts également sur la santé, et que le monde de la santé, il doit être mobilisé. Il faut mobiliser le monde de la santé qui, par entre parenthèses, est très, très intéressé pour se mobiliser sur ce sujet-là, de la précarité énergétique. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'objet de la chaire HOPE, c'est de mettre tous ces gens-là en mouvement, en connexion. Typiquement, on fait connaître au service Habitat de la métropole de Grenoble, on fait connaître un métier qui existe sur Grenoble qui s'appelle CMEI, les conseillers médicaux en environnement intérieur, qui sont dans les structures de l'ARS et du CHU pour pouvoir mesurer l'impact du mauvais logement sur les patients qui sont suivis par le CHU. Voilà, typiquement, des exemples qu'on fait sur les relations entre santé et précarité énergétique. En gros, on nous dit, si on arrivait à faire en sorte que une rénovation d'un logement, ça pouvait être aussi prescrit par un médecin, ben, ça serait peut-être pas plus mal. Ce serait peut-être plus efficace que uniquement... parce que les gens sont plus sensibles forcément à la santé qu'au compteur électrique, très souvent. Voilà, très rapidement brossé ce que c'est que la chaire HOPE et l'illustration de deux exemples, donc la mobilisation du monde des étudiants et puis le rapport santé-précarité énergétique. Juste une petite parenthèse, parce que j'ai entendu parler de mobilité, je tiens à vous faire savoir qu'on a fait des très grosses études très intéressantes qu'on pouvait partager avec vous sur les relations mobilité et logement en termes de précarité énergétique.
Il y a une petite question de Sandra qui demande si Hope intervient sur de la sensibilisation auprès des étudiants. Est-ce que vous êtes bien sûr, vous venez ouais. Bien sûr, exactement. Donc, on participe à des défis étudiants. On va voir les étudiants qui, soit, alors, de deux axes, soit dans leur cadre de leurs études, de projets qu'ils peuvent avoir. Donc, ils viennent nous voir. Et puis, Florence Guilcher pourra en parler, puisqu'elle a participé au premier défi avec NCCube, donc École d'ingénieurs de Grenoble. Et c'est sur la sollicitation du CCAS de Grenoble que les étudiants ont pris à bras le corps le problématique de du repérage et de la du repérage de la précarité algique par les enfants, d'où le livre Jérémy la maison malade. Donc, typiquement ce genre de choses. Et tous les étudiants qui sont mobilisés, ils sont mobilisés parce qu'on les sensibilise. Ça fait partie également de la sensibilisation, bien sûr. Il y a également eu une première journée sur le campus pour la précarité énergétique, lors de la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique. Donc, c'est Hope aussi qui a coordonné cette action avec différents acteurs qui sont intervenus sur le campus pendant 2 jours. Exact, merci. Et on a aussi un projet en octobre du même acabit. Voilà. Exactement, un gros défi qu'on est en train de monter avec les étudiants et avec l'ensemble des associations. Alors, c'est plus sur le territoire grenoblois que ça se passe, enfin, du territoire ouais, autour de la région grenobloise que ça se passe. Mais ça fait parler au niveau national, je peux vous le dire, parce qu'il n'y a pas d'autres initiatives équivalentes aujourd'hui en France et en Europe également. Merci pour ces explications. Je vous invite, si vous n'intervenez pas, à désactiver le son parce qu'il y a des bruits parasites. Merci d'avance. Alors, je vois le temps filer, donc on va passer à la présentation d'Artir Luissier, qui est directeur d'Un Toit pour tous, pour que vous nous expliquiez les réhabilitations que vous faites au sein de votre association dans les logements très sociaux. Ok, bonjour à tous. Donc Arthur Luissier, directeur d'Un Toit pour tous. Du coup, vous avancez la présentation. Oui. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, on agit en Isère avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre pour faire connaître le problème du mal logement et proposer des actions concrètes d'hébergement et de logement à loyer très modeste. On a aujourd'hui plus de 700 logements très sociaux sur l'ensemble de l'aire urbaine grenobloise. On peut avancer, puis je reviendrai un petit peu là-dessus. Voilà. Pour vous donner une idée, donc, parmi toutes les actions qu'on fait, on a une coopérative qui fait des opérations d'acquisition-réhabilitation dans le diffus. Ça veut dire qu'on achète des logements ordinaires, on les réhabilite fortement avec un gain énergétique important, avec une visée d'avoir des loyers et charges très faibles pour le ménage, et on les met en location en tant que bailleur social. Donc c'est uniquement des loyers à très très bas prix. Donc dans les classements de logement social, on est sur le PLAI ou le PLAI adapté, qui sont vraiment les logements à plus bas loyer. On tourne autour de 5,50 euros le mètre carré maximum. Et donc, ça s'adresse bien sûr aux ménages les plus précaires parmi l'ensemble des ménages qui peuvent prétendre à un logement social. Pour vous donner une idée, j'ai mis 2-3 photos parce qu'après, je vais rentrer sur le détail de ce qui est fait. Ça, c'est notre production classique. On achète un appartement lambda dans une copropriété, dans un quartier attractif, mixité sociale. On va le réhabiliter entièrement pour lui faire gagner un certain nombre de tickets énergétiques et assurer qu'il y ait des très faibles charges au-delà du très faible loyer. Et puis, on va le mettre en accession logement social. Donc, ce logement-là, 55 mètres carrés à Grenoble, vous avez un prix de revient 110 000 euros, puisqu'à l'intérieur, au-delà du foncier qu'il faut acquérir, il y a 37 000 euros de travaux. Et ça, c'est un type de production. Le deuxième type de production qu'on fait, c'est la photo suivante. C'est un peu la même chose, sauf qu'on va être propriétaire d'un ensemble d'un bâti, une petite propriété, 2, 3, maximum 4 logements en général, sur lequel on va faire la même chose. Alors là, en l'occurrence, c'était une grange avant intervention, à la différence près que là, on va maîtriser l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment, puisqu'on est propriétaire intégral. Donc, on va pouvoir agir plus fortement, notamment en isolation par l'extérieur. Donc, on va pouvoir aller plus loin encore en termes de performance énergétique. Alors que dans l'autre cas, vous l'avez bien compris, on sera au sein d'une copropriété. Ce qui d'ailleurs va nous donner un deuxième levier d'action au-delà de ce qu'on fait dans notre logement, c'est comment on va pouvoir, au sein de la copropriété, être présent et essayer de favoriser tout ce qui va pouvoir permettre d'améliorer les performances techniques de la copropriété, enfin, du bâtiment à l'échelle de la copropriété.
qu'est-ce qu'on fait quand on choisit un logement? Parce qu'en fait, tout est construit dès l'amont, comme on va exploiter le logement pendant 55 ans. On va suivre les locataires qui sont dedans, qui sont souvent des locataires alors, en difficulté économique, c'est sûr, parfois même avec d'autres difficultés qui peuvent se cumuler de manière ponctuelle. Et donc, nous, il faut qu'on assure la gestion locative de ce logement pendant toute la durée et en essayant de faire en sorte qu'il soit le mieux adapté possible aux locataires qui vont se présenter à l'intérieur. Dans les choix des logements, nous, donc, on est attractif. Hein, on regarde la question du quartier, que ce soit un quartier attractif pour faire de la mixité sociale. Donc, on ne va pas construire en QPV ou remettre des logements sociaux là où il y en a déjà. On va utiliser notre production diffus pour mixer les choses. On va regarder fortement le coût des charges supportées par le ménage et par conséquent, d'ailleurs, les risques d'impayés pour le bailleur. On va regarder les travaux de maîtrise énergétique qu'on va pouvoir faire, est-ce qu'on va pouvoir atteindre les normes qui nous sont données. Et bien sûr, on va regarder l'équilibre financier du projet pour l'opérateur, puisque si on veut en produire d'autres, on en fait environ 25 par an, il faut que ceux qu'on ait produits soient à l'équilibre financier. Ça veut dire qu'on a une prise en compte dès le démarrage des problématiques d'économie d'énergie, d'isolation, à la fois dans la partie investissement, mais dans leur usage derrière. Parce qu'on sait que s'il y a dérapage, on aura, nous, à traiter, en appui du ménage, et le ménage en premier lieu, les questions de dérapage sur les factures, sur l'accompagnement que ça va supposer. Sur la réhab des logements diffus, on a un objectif de consommation maximum de 150 kWh par mètre carré par an. On peut aller encore beaucoup plus bas quand on maîtrise l'ensemble de l'enveloppe, comme je vous ai montré sur le deuxième exemple. Donc évidemment, on n'est pas, on ne peut pas atteindre les niveaux de performance qu'on est capable d'atteindre sur le neuf aujourd'hui, comme parleront sûrement nos collègues tout à l'heure d'Actis. Mais on a déjà des sauts énergétiques importants. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire qu'on a systématiquement un cahier des charges là, qui est affiché sur l'isolation, sur le chauffage, sur la gestion de l'eau, sur le renouvellement de l'air, qui vont nous permettre d'atteindre à la fois des gains énergétiques importants et à la fois d'avoir des usages assez simples et efficaces pour le ménage. On va regarder typiquement sur le chauffage, on va aller sur une chaudière à condensation, un thermostat, et on va faire attention qu'on ne soit pas sur des systèmes de régulation trop techniques, qui pourraient être encore peut-être plus performants, mais qui vont faire que, comme on ne saura pas le régler, le ménage ne saura pas l'utiliser, on aura à la fin un usage qui ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui sont regardées dès l'amont pour que le logement soit le plus économique possible pour le ménage. On essaye systématiquement aussi de réfléchir justement au type de chauffage, sur les petits logements, de passer sur l'électrique, d'enlever les doubles abonnements quand on peut, etc. etc. Donc là, vous avez le cahier de charge, on pourra revenir si vous avez des questions. Ça nous amène à la diapo suivante, voilà, qui essaie de résumer un peu ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on a à gauche le plan d'action au moment où on produit un logement. Alors, on est dans le cadre du PLAI adapté, c'est-à-dire maintenant le nouveau produit de logement social qui est le super PLAI. On va encore plus bas, l'État a fait un nouveau cahier des charges pour qu'on fasse des logements plus économes en énergie, moins chers pour les ménages. Pas toujours simple à produire. Et donc, dès l'amont, on essaye bien de regarder et on regarde comment on va faire en sorte qu'il y ait une cohérence économique globale sur le logement avec un loyer bas, des charges locatives basses. Dans la copro que je vous ai montrée, on ne va pas acheter un logement dans une copro où il y a un grand jardin, un concierge et d'autres choses qui généreraient derrière des charges locatives extrêmement fortes. Et puis, on va agir pour que les fluides soient faibles, pour que l'ensemble des trois composantes qui vont être à la charge du ménage soit couvert en grande partie par les allocations au logement et que ça lui permette de consolider cette partie-là dans le logement. Mais ça, on y arrive, il y a la théorie, puis après il y a la pratique. Et on y arrive parce qu'on le suit dans la mise en œuvre. Et il y a différents endroits où on arrive à le suivre, c'est dans la production. On a un service de maîtrise d'œuvre interne, on fait les opérations une par une avec des conducteurs de travaux architectes, une assistante administrative, qui font eux-mêmes la conduite et la maîtrise d'œuvre, qui s'appuient sur des entreprises et des artisans certifiés RGE, qui donc ont leurs compétences régulièrement à jour. Ça veut dire qu'on ne passe pas par une entreprise générale du bâtiment, qui serait plus généraliste, etc. On a vraiment un travail sur mesure pour chaque logement, pour s'assurer que chaque élément est bien posé, conformément au cahier des charges, etc., et va fonctionner. On a un travail au sein des copropriétés. On a un système avec des bénévoles qui fait qu'on est, comme on a plus de 400 logements dans le diffus au sein de la coopérative, au-delà d'autres logements par ailleurs, on est invité dans les assemblées générales de tous ces immeubles-là. Et donc, on a des bénévoles qui travaillent sur
les convocations d'AG qui vont systématiquement donner pouvoir, voter ou se rendre quand c'est nécessaire dans les assemblées générales, en particulier dans celles où il y a des questions importantes posées autour de la réhabilitation des bâtiments, pour essayer, nous, systématiquement, de faire pencher la balance vers un murmure, vers une opération de réhabilitation plus globale du bâtiment. Et par ce biais-là, on voit aussi ce que sont les difficultés, les copropriétés en difficulté et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, c'est aussi un moyen d'action qu'on a, qui est moins direct, mais qui nous permet de faire avancer le schmilblick. Et tout ça, ça marche aussi parce qu'on a une capacité, enfin, ça marche, on avance, et on a la capacité d'offrir une gestion locative adaptée aux locataires, c'est-à-dire que, au-delà de leur louer le logement, de quittancer, on a une capacité d'action et d'intervention auprès des ménages qui vont nous permettre de les aider à, quelque part, faire leur partie devoir du locataire, entretenir leur logement, etc., etc. J'ai mis un extrait du cahier des charges qui nous concerne particulièrement au regard de la thématique qu'il y a dans une gestion locative adaptée, mais on a une aide aux démarches qui est liée à l'installation dans le logement, qui va plus loin que quand on fait un état des lieux classique, hein, où on va éventuellement passer du temps à aider le ménage à s'approprier techniquement le logement, la question des aérations, la question du thermostat, la question de la chaudière, de la régulation de chauffage. Et on a aussi, par les travailleurs sociaux si nécessaire, une aide à la gestion du budget et à la maîtrise effective des charges. Je vais donner un exemple très concret qu'on a pu avoir. Logement tout neuf tel que je vous ai montré, avec des consommations très faibles, on a un ménage qui arrive avec des factures démentielles. Les collègues qui font la gestion renvoient l'information au service développement et patrimoine qui a produit le logement, et quand même les collègues disent c'est pas possible, on arrive à ces factures sur ce logement-là. Et donc, ils sont allés voir. On a un outil tout bête, hein, qui est une clé hygrométrique qu'on peut poser dans le logement et qui permet, sur une certaine durée, de mesurer un certain nombre de paramètres qui nous permettent éventuellement de comprendre mieux ce qui se passe en termes d'humidité, de variation de température. Parce qu'en allant voir le ménage disait bah, « je ne comprends pas, ça me coûte très cher, etc. » Et en fait, en posant la clé avec l'accord du ménage pendant quelques jours dans le logement, les collègues se sont très vite rendus compte que en fait, c'était grand ouvert pendant un certain nombre d'heures dans la journée. Et la dame, ou le monsieur, je ne me rappelle plus en l'occurrence, de nous répondre, une fois qu'on avait pointé ça, « bah oui, c'est pour que le chat puisse rentrer ou sortir. » Donc, vous voyez que là, on peut avoir un logement très performant en termes de conception. Si on n'appuie pas la personne à l'usage, on a des factures qui sont aussi élevées que ce qu'elles pouvaient être dans le logement avant sa réhabilitation. Voilà, tout ça pour illustrer un petit peu la frontière entre technologie, investissement et puis usage de l'autre côté, sur laquelle on essaye d'agir à notre niveau. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en étant ouvert à vos questions, s'il y en a plein. Merci beaucoup Arthur pour cette présentation. Je vous propose de prendre les questions tout à la fin. On va faire la dernière intervention avec Christian Roy d'Actis sur le Haut-Bois, donc, qui se situe dans l'écoquartier Flaubert. Oui, bonjour à tous. Oui, donc moi je suis Christian Roy, je suis le responsable du service conduit d'opération Actis à Grenoble. Actis, on est l'un des bailleurs sociaux qui intervient sur la métropole grenobloise, et d'ailleurs notre collectivité de rattachement à nous, c'est Grenoble-Alpes-Métropole. Donc la photo que vous voyez ici, c'est un immeuble qui s'appelle Le Haut-Bois, qu'on vient de livrer dans l'écoquartier Flaubert à Grenoble. Alors en sachant que ce n'est pas sur le premier bâtiment sur lequel on travaille on va dire, les économies d'énergie et pour lutter contre la précarité énergétique. Nous, notre but premier, c'est de créer les conditions pour loger les populations les plus modestes. Et ces populations qui sont les plus modestes, ce sont les premières qui sont confrontées au dérèglement climatique, car ils vivent le plus souvent dans les logements qui sont les moins bien isolés, quoi. Donc, Actis, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cet aspect économie d'énergie, réduire les charges des habitants. Et depuis plusieurs années, tous les bâtiments que l'on construit, les bâtiments neufs que l'on construit, ils sont toujours plus performants que la réglementation thermique à l'époque. C'est-à-dire que jusqu'à présent, parce que la nouvelle réglementation thermique, elle vient de sortir, mais la réglementation thermique de 2012, tous les bâtiments que l'on construisait, ils étaient en performance énergétique supérieure de 20 à 30% des objectifs qui sont fixés. Donc, à un moment donné, on a été choisi pour construire un bâtiment sur la ZAC Flaubert, sur l'îlot Marceline, où la ville de Grenoble et son opérateur, la SEM Innovia, avaient l'objectif de construire un certain nombre, un quartier,
où tous les bâtiments auraient des performances énergétiques assez élevées, où ce seraient plutôt des bâtiments qui seraient implantés, on va dire, dans une sorte de jardin, où la voiture serait un peu bannie. Donc nous, quand on a commencé à travailler sur ce bâtiment, on s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'il faudrait construire. Imaginons de construire un bâtiment qui sera la norme dans les 20 ou 30 prochaines années, parce qu'on savait que la nouvelle réglementation thermique, elle allait être beaucoup plus drastique et nous obliger à avoir des performances beaucoup plus importantes. Donc, c'était de se dire comment on pourrait construire et comment construire autrement. Donc, on avait déjà des expériences en bois et donc on a imaginé de construire un bâtiment tout en bois, un immeuble de grande hauteur, 9 étages, et ça, c'est jamais, et sur une zone aux fortes contraintes sismiques. Donc, ça s'était jamais fait en France. Et donc, ça, c'était un des premiers objectifs. Et puis après, c'était de construire avec des matériaux nobles, sains, pérennes, donc le bois, le zinc. Pourquoi le bois? Parce que techniquement, la structure bois, elle est déjà 12 fois plus isolante que le béton. Et elle permet d'associer à sa structure des isolants beaucoup plus épais et donc qui permettent de générer une enveloppe beaucoup plus performante. Et finalement, donc, la demande qui a été faite d'Actis à la maîtrise d'œuvre qui a été choisie, c'était de construire un bâtiment passif. Donc, un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui ne comprend pas de système de chauffage actif, comme par exemple un chauffage central, qui prend en compte le soleil, l'isolation et puis tout ce qui est les gains intérieurs. Et ça veut dire que c'est des bâtiments qui se suffisent, même en hiver, à maintenir le bâtiment à une température agréable. Donc, le hautbois qu'on vient de livrer sur Flaubert, c'est le cas typique d'un bâtiment passif. Hein. Il a une enveloppe très homogène, il a une très très bonne étanchéité à l'air, il a du triple vitrage. Jusqu'à présent, les bâtiments que l'on construit, c'est plutôt des doubles vitrages. Il a une ventilation double flux collective, donc qui va nous permettre d'utiliser simplement l'air de ventilation que par le biais d'une simple petite batterie chauffante installée à l'entrée de chaque logement qui va nous permettre de préchauffer l'air en hiver et de le pré-rafraîchir en été, ce qui permet d'assurer aussi bien en hiver les conditions de confort optimales et puis en été, hein, on sait que Grenoble, quand il fait chaud, c'est des fois très éprouvant et donc ça nous permet de rafraîchir le bâtiment sans utiliser de principe de climatisation. Donc voilà, donc le hautbois, il est labellisé passive house, ce qui nous permet de reconnaître le caractère passif. Et donc un bâtiment passif, on se chauffe avec moins de 15 kWh par an et par mètre carré. Aujourd'hui, les bâtiments que l'on construisait sur l'ancienne réglementation thermique, et même quand on était moins 20 à moins 30% en dessous des normes réglementaires, le bâtiment, on le chauffait à peu près avec 60-70 kWh par mètre carré par an. Donc là, on voit dans un bâtiment passif le gain que l'on peut faire. Et puis le hautbois, il est également labellisé BE+ et E3C2. Donc ça, c'est des labellisations qui sont sur les matériaux qui sont utilisés, des matériaux à bas carbone et sur leur cycle de vie. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à dans 60 ans, 70 ans, quand le bâtiment il sera peut-être à démolir, comment on pourra réutiliser les matériaux qui sont mis en place. Donc, pour quel impact pour les habitants? D'abord, c'est un confort à l'intérieur des logements. Hein. La qualité de l'air, elle est nettement plus élevée. Le bois, avec les isolants qu'on a mis aussi, permet de travailler sur une isolation acoustique entre logements qui est supérieur à ce qu'on peut construire dans du béton. Et puis, on a les diminutions de charges. Aujourd'hui, en charge de chauffage, on est environ à 25 euros par mois, ce qui a un réel impact sur la vie économique des habitants hein, que l'on chauffe. J'ai oublié de dire que oui, les logements qui sont produits sur le bois, c'est essentiellement des logements dont le loyer sont des loyers au niveau des PLAI. Donc, les loyers pratiquement les plus bas que nous permet aujourd'hui, qui sont appliqués dans le monde HLM.
Et puis, tout ça, on espère aussi que ce confort à l'intérieur de logements, ces déficits des charges, ça va permettre de créer aussi, parce que la structure du bâtiment où on a une cage d'escalier ouverte et tout, de pouvoir faire un lieu de rencontre entre tous les habitants. Et ce type de bâtiment qui est un peu nouveau, il faut que, si on veut que les habitants puissent en tirer les bénéfices, il faut les accompagner. Donc là, on a mis en place deux actions, hein. On a des personnels de terrain qui, maintenant que les gens sont rentrés, on va créer des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres pied d'immeuble avec l'architecte pour leur expliquer comment le bâtiment il a été construit, quelles sont les bonnes pratiques à faire pour que justement éviter des dérives qui permettent de ne pas atteindre les objectifs qui sont fixés. Et puis, pendant 2 ans, on va suivre ce bâtiment, on va dire d'un point de vue scientifique. On a instrumenté 10 de logements, on a instrumenté toutes les parties communes et on va suivre jour au jour toutes les consommations, aussi bien de chauffage, d'eau, d'électricité, de qualité de l'air et tout, et ce qui va nous permettre d'être assez réactifs et de pouvoir assez rapidement mettre en place des mesures correctives si c'est nécessaire pour arriver aux objectifs que sont fixés. Donc, ça, on va travailler avec l'architecte qui a travaillé, et puis on va travailler avec un bureau qui s'appelle Enertech, et on aura des rendus trimestriels qui vont nous permettre de travailler avec aussi bien, et qui vont nous permettre de pouvoir intervenir auprès des habitants si on constate des dérives, et puis travailler avec tous les services exploitants du bâtiment pour atteindre l'objectif ambitieux que l'on s'est fixé sur ce bâtiment. Merci Christian. Je vais devoir vous couper parce que je vois qu'on a dépassé le temps réglementaire. En tout cas, c'est intéressant de voir que sur de la construction de logements neufs ou comme vous faites, ou de la rénovation comme Un Toit pour tous le fait, il y a un réel besoin d'accompagnement au changement de pratique pour les locataires. Est-ce qu'on a des questions sur le chat ou en direct? Merci pour vos félicitations sur le chat, c'est très gentil. Alors, si on n'en a pas, je vous propose qu'on arrête la visio maintenant, comme ça vous pouvez partir sur vos autres réunions. Et en tout cas, je remercie tous les participants de s'être mobilisés aujourd'hui, c'était très riche. Et merci à tous les participants. Et on se retrouve sur les prochains ateliers, sûrement à la rentrée en septembre. Merci à tous. Merci.